Allez, tout autre sujet. On va s'arrêter à présent sur une entreprise du Nord qui monte et qui s'impose dans la vente de pneus sur Internet. Allopneus.com a vendu 3 millions de pneumatiques en 2014 et capte la moitié des ventes de pneus sur Internet. Une association entreprise il y a 10 ans et qui permet un chiffre d'affaires actuel évalué à 200 millions d'euros. Le géant Michelin vient d'annoncer une participation de 40% dans le capital de l'entreprise nordiste. Voilà qui devrait permettre de renforcer les services proposés aux consommateurs. Allopneus se démarque par des prix attractifs, certes, mais surtout par des services comme le changement de pneus à domicile. Nous nous sommes rendus à Oignies. C'est ici que se trouve la plateforme de distribution de pneumatiques d'Allopneus. Chaque jour, 70 salariés fabriquent jusqu'à 10 000 pneus. Alors, écoutez cette réaction, celle du responsable d'exploitation après ce rapprochement entre Michelin et Allopneus. C'est un point positif, ce qui permet à Allopneus de pouvoir se développer encore plus, s'agrandir encore plus et se développer à l'étranger également, quoi. Donc vraiment, c'est l'envie d'Allopneus, c'est de se développer encore en France, puisqu'il y a encore des parts de marché à prendre, et également s'ouvrir à l'étranger, donc dans les pays limitrophes. L'avantage de ce rachat de parts d'Allopneus et de Michelin, c'est que c'est deux sociétés 100% françaises. Donc ça, c'est une fierté pour Allopneus. Michelin va nous apporter encore plus de profondeur de gamme dans leurs produits et certainement des tarifs plus intéressants.